Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Shobiti. On se retrouve pour la suite de notre aventure dans Préserve en mode puzzle. Aujourd'hui, on va aller dans les océans. C'est parti! Et donc, on se retrouve sur l'écran d'accueil du biome océanique. Bon, c'est parti, on va commencer les puzzles! Alors, pour l'instant, on n'a pas encore vu le biome océanique ensemble. Donc, c'est très différent tout en étant extrêmement proche des autres biomes. C'est-à-dire que là, on est sous le niveau de la mer. On a des tuiles qui nous permettent de monter le niveau des fonds marins. Et uniquement de monter. On n'a rien qui permet de descendre. On a ces petites choses-là qui permettent d'oxygéner les habitats. On va le voir sur les animaux, je vais l'expliquer, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, typiquement pour les animaux, vous voyez ici, le calamar, il peut vivre soit dans un habitat de type caillasse, on va dire, au fond de l'eau, soit dans ces deux habitats-là, donc plutôt des algues ou plutôt du corail, mais uniquement si les habitats sont oxygénés. Si l'habitat n'est pas oxygéné, on ne pourra pas poser notre calamar. Ici, on voit, on a 13 tuiles. On voit aussi que on peut le mettre dans l'océan, la mer, mais on peut pas le mettre en surface. Donc est-ce que par exemple... Oui, on pourra. Ici, c'est suffisamment pas assez profond, on va dire. Donc j'ai 13. Sachant que j'ai 7 et 7 et 1, ça fait 15. Avec 2 emplacements pour mettre de l'eau, on est pas mal. On est pas mal... Mais il faut pouvoir que tout ça soit continu. Et typiquement, je vais pouvoir, si je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça. Je vais élever les deux, histoire d'avoir des points, parce que voilà. J'ai quand même envie de faire un seul environnement. Mais du coup, si je fais ça, en fait, voilà, si je fais ça, ça m'en fait deux, ce qui n'est pas une bonne idée. Ben, en fait, peu importe. Peu importe où on le place, en fait, ce qui va être contigu. Vous voyez, elle a la petite icône de bulle. Donc c'est contigu. Et donc je pose mes 3 calamars. Alors où sont-ils? Mes calamars... Ah, ils sont là, j'en vois un. Alors par contre du coup... Bah c'est cool, sauf que j'ai pas assez de points. La subtilité du coup... la subtilité... Est-ce que si je les mets au milieu, on a plus de points? Ah oui! Voilà. Ok, on peut passer au suivant. Ok, donc ici, on a toujours des tuiles, cartes, je vais trouver le bon mot, des cartes, pour nous permettre d'élever les dalles. On a ici des îles Alors les îles, et on va devoir les poser en surface. Vous voyez la petite icône. Il n'y a que le tout haut de l'icône qui est blanc. Ça veut dire que c'est de la surface. Pareil ici, pour ces arbres-là, c'est de la surface, c'est de la côte. Ici par contre, c'est de la caillasse de fond d'océan. Donc c'est vraiment tout au fond. Et on a ici 3 crabes qui vont aller vivre du coup dans les arbres. Puisqu'on n'a rien pour oxygéner. Et on a 3 poulpes qui vont aller dans la caillasse. Ok. Donc l'idée, c'est qu'il faut que je surélève suffisamment pour poser à la fois ma côte et à la fois mes îles. Du coup, ça veut dire 14. Ça veut dire... ça veut dire que je peux faire ça typiquement comme ça. Là, j'en surélève 7, j'en surélève 7, j'en surélève 7, j'en surélève 7. Du coup, ça veut dire que je peux foutre ma caillasse au fond de l'océan. Je peux mettre mes poulpes là. Alors, maintenant, toute la question de l'île. Elles vont donner des bonus aux dalles d'habitat contigu. Quel intérêt? Est-ce qu'il vaut mieux que je les mette là? Alors, c'est quoi vos petits bonus? C'est 3, hein, c'est 3 pour le prochain niveau. Est-ce que, par exemple, si je fais quelque chose comme ça, avec 2 îles, j'ai quelque chose d'intéressant? Tout à fait. J'ai quelque chose de très intéressant. On voit nos petits poulpes. Les petits crabes, ça va être un petit peu plus dur de les voir. Ah si, ils sont là, nos petits crabes. Parfait. C'est nickel pour celui-là. Ouh, on a un certain nombre de tuiles. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des élévations, on a une seule petit volcan, on a des algues, de la caillasse et tout ce petit monde. Donc 6 animaux en un exemplaire chacun. Alors ce que je vois du coup, c'est caillasse ici. Il va falloir que les cailloux soient irrigués, oxygénés. Donc cailloux oxygénés, cailloux oxygénés, cailloux. Et ici, algues, algues, algues oxygénées, algues oxygénées. Ok, il va falloir que notre volcan oxygène le plus de monde possible. Et il faut qu'on fasse un biome de 12 et un deuxième biome de 12 avec cette forme-là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire d'intelligent? En fait, les élévations, je veux pas dire qu'elles me cassent les cacahuètes, mais elles me cassent les cacahuètes. Parce que normalement, je peux déjà poser... ouais, je peux déjà poser ça, donc en fait... la seule chose qui va m'intéresser, c'est de pas trop monter les choses. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Faudrait que je puisse les joindre. Est-ce que je peux mettre mes cailloux? Je peux pas mettre mes cailloux, c'est ça. Donc faut pas que je monte trop. Sinon je pourrais plus mettre mes cailloux. Comment faire ça? Comment faire ça de manière intelligente? Ah oui, c'est une seule tuile que je... Ouh, ah oui, j'avais pas vu, c'est une seule tuile. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah, qu'est-ce que ça m'arrange plus du coup. Donc je suis à 8. 10. Je suis à 10, il faut que j'en On élève 2 pour faire un biome. Soyons sérieux. Ou alors, je peux... Enfin, biome de 6, c'est pas intéressant de biome de 6. Faudrait que je puisse faire... Comment je peux faire Si, je peux faire ça comme ça. J'élève ici, j'élève là, j'élève ici. Je mets, par exemple, ça là. Hop. Donc, on est bon. Ça, ça fait 12. Oups, ça fait 12. Non, ça fait pas 12 du coup. Je me suis plantée. L'idée est pas mauvaise. La réalisation, elle, est mauvaise. C'est-à-dire qu'en fait, il faut plutôt que je le mette comme ça. Vu que je peux pas mettre mes cailloux en hauteur. Voilà. Donc on prend les cailloux. On complète. Alors. On a bien nos deux biomes qui sont oxygénés. C'est parti. Donc ça ici, ça là, et ça ici. Ça là, ça là, et ça ici. Et on est parfait. On peut donc valider notre niveau. Désolé, je bois un petit coup d'eau. On est reparti. Alors du coup, celui-là, on a un autre biome de type corail. Donc une élévation en zone, hein, une zone. On a ça. Donc le corail, c'est pareil. C'est pas dans les profondeurs. On va pas pouvoir le mettre en profondeur. On a 12 de chaque. Alors honnêtement, moi je regarderais bien là. Comment je suis? Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux pas me mettre là. 9, 10. Si je me mets là, ça fait 2 biomes différents, ce qui est nul. Je peux pas me mettre là. Ok. On recommence. Je vais pouvoir mettre les cailloux que dans le fond marin. Vu ce que j'ai comme animaux, on va regarder. Donc... J'ai 5 animaux. Enfin, j'ai 6, dont 2 crabes. Ok. Ce qui a l'air quand même de me dire que je vais peut-être pouvoir faire 2 biomes, effectivement, de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, le problème c'est ces deux-là. Si je... Imaginons que je remonte quelque part par là. Ça fait quand même beaucoup. Ça me laisse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour là, ce qui est pas ouf. Sachant que ça aussi, ça va. Je peux le poser, mais pas partout. On va voir. Je peux le poser là. Parce que c'est vrai que ça m'embête là. Ah, je vais peut-être devoir faire 2 de 6 pour mes cailloux. Ou 2 de 6 pour chacun. Parce que vu que je peux pas descendre, et que je peux pas mettre mes cailloux là. Comment je vais pouvoir gérer? Parce que si je remonte une partie, imaginons que je remonte là. Je me retrouve quand même avec deux choses plus hautes. Si je remonte tout là, je me retrouve avec un 3 et... Non, je ne l'ai pas compté, mais... à peu près 6. Après, peut-être que si je remonte... Non, c'est trop haut déjà, là. Et voilà, je peux plus mettre mes cailloux. On est vraiment tout en bas. Et je peux pas remonter... plus. Bon, première chose à peu près évidente, même si c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a le volcan à placer, je fais ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Dix, onze, douze. Sauf que là, je casse la chose. Est-ce que j'ai plus intelligent ? On recommence, hein. Là, pour l'instant, je teste. Parce que vraiment, le fond de l'océan, là, j'en ai pas grand-chose. Et en fait, ce qui m'embête, c'est qu'ici, je suis très étroit, donc je vais pas pouvoir... joindre. Oui, là c'est pareil, ça me fait deux... Ouais, tout cela... Je les vérifie tous, hein, mais ouais, tout cela sont vraiment trop bas, trop... Alors, on va peut-être se résoudre à faire plusieurs biomes. Imaginons que je remonte ça comme ça, que je mette ça là. Ok, donc en fait, j'avais pas compté, j'ai deux tuiles en brabe. Du coup, je suis pas tout à fait bon, mais c'est pas si mal, on va recommencer. J'avais pas compté qu'on avait deux tuiles en brabe. Ce qui veut dire que oui, je peux me permettre. Faut vraiment pas hésiter à compter dans ce jeu, hein, c'est vraiment primordial. Surtout pour les puzzles. Voilà. On a des jolies perles. Alors du coup, les choses évidentes. Toi, tu vas dans la caillasse. Toi, tu vas dans la caillasse. Toi, tu vas dans la caillasse. Et le deuxième, il va là. Et là, on rigole bien fort parce qu'il manque un point. Ça veut dire que probablement j'aurais dû poser mon élévation différemment. pour gagner le point qui me manque. Du coup, je repars à peu près comment j'étais. 10, 11, 12. Si je la mets comme ça, du coup je monte de 4. Je sais pas compter combien de tout à l'heure j'avais monté. Là je vais retenir, j'ai monté de 4. Je remets les mêmes animaux aux mêmes endroits. Ok, donc j'ai monté de 4, c'est pas assez. On va donc monter de 5. Voilà. Je préfère le mettre là, j'avoue. Après, c'est vrai que je peux peut-être... Celui-là, je peux poser aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux poser, donc en fait... Caillasse. Caillasse. Voilà, donc c'était vraiment ça. Il me manquait une petite hauteur de plus. Hop, on valide et on passe au suivant. Alors, le suivant, ça commence à devenir grand. Ah, on n'a que des animaux, donc on n'a pas d'élévation à gérer. Par contre, ce que je vois, c'est que ici, on est en mer-côte, alors qu'ici, on est en océan-mer. C'est-à-dire que, en fait, on va devoir mettre ça au fond, avec de manière logique ça, et qu'on va devoir mettre ça ici, parce que ça, ça passe pas, voilà, donc on n'a déjà pas le choix sur le début. Maintenant, on a 9 animaux, donc il nous faut vraiment 3 biomes distincts. Et j'imagine que c'est là que les algues vont venir jouer avec nous, c'est-à-dire qu'on va devoir séparer tout ça avec nos petites algues. Alors, 3, 5, 6, 7, 8... Genre 9, 10, 11, 12. Ce qui veut dire que il faudrait que je ceinture ça comme ça, sauf que j'ai pas assez. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne ? Parce que si je le mets là, on fusionne. Ici. Ici, c'est pas utile. Ici, je peux récupérer. Oui, sauf que du coup, ça me fait un 13. Là, ça me fait un 13. Ce qui n'était pas l'objectif. Ce qui n'était pas l'objectif, ça me fait un 13. Bon, là j'ai craqué toutes mes cartes, hein. Donc, je fais 12 comme ça. Mais il m'a pas rendu ma carte. Ah non, si, celle-là est là. Ah oui, celle-là est là. Non, recommençons. Recommençons. Donc, je recommence exactement de la même manière. Et il va falloir faire des calculs. Donc... Il m'en reste 5. S'il m'en reste 5, ça veut dire que je peux par exemple faire une coupure ici. Euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je fais une coupure là. Et du coup, il m'en reste une que je peux mettre un peu où je veux. Voilà. Et maintenant, on a plein d'animaux à caler. Donc, vous, vous allez là. Vous, vous allez là. Et vous, vous allez là. Et voilà, c'est parfait. On valide ce petit niveau. Alors, qu'attend, on a ça uniquement pour les fonds marins et ça un peu partout. Ok, ça un peu partout, ça veut dire ça en hauteur. Alors, par contre, je vais pas me faire avoir, j'ai peut-être un peu plus que 24 tuiles là. Complètement, complètement. J'ai complètement plus que 24 tuiles. Ça veut dire que je peux... Ah oui, mais je peux pas les poser là. Ah oui, je pensais que je pouvais, mais non. C'est plus qu'océan, c'est-à-dire qu'on a océan plus mer, mais on n'a pas les côtes. Ok, ça veut dire qu'il va falloir que je tétricise. Et en l'occurrence, voilà, ici je peux pas mettre de cailloux, donc on va partir comme ça. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 12, j'ai tout mis là. Oui, j'ai tout mis. Et bah, celui d'à côté, à côté. Ok. Donc, les 3 pieuvres dans le fond de la mer. Et les 3 tortues dans les algues. C'est parfait. Et bien du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. On fera ce puzzle-ci lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!